Lundi 3 octobre. En quelques heures, la pluie d'une année tombe sur Nîmes et sa région. Des torrents d'eau boueuse submergent la ville, emportant tout sur leur passage. Avenue Franklin Roosevelt. Comme dans toute l'agglomération, la situation tourne à la catastrophe. En dépit de l'isolement complet de la région de Nîmes, voies ferrées, routes, téléphones, électricité coupée, casernes et état-major des sapeurs-pompiers noyés, les secours s'organisent. Dès 9h, d'importants renforts terrestres et aériens convergent vers la zone sinistrée.
À 11h, le plan Orsec est déclenché. Dans l'attente des 1000 sapeurs-pompiers, civils et militaires qui rejoindront Nîmes en fin de journée, les secours locaux, associés aux sauveteurs anonymes, effectueront ce lundi plus de 500 sauvetages terrestres et 140 élitreuillages. En fin de journée, les eaux se retirent. Le bilan est lourd. 8 morts, 1 disparu, 50 blessés, 40 000 sinistrés, 3 000 véhicules détruits et des infrastructures bouleversées. Pourtant, dès le soir, un pari est pris. Rendre à Nîmes et sa région un visage habituel en moins de 15 jours.